Bonjour à tous. Pour ce 14e épisode de ma série, cet épisode est consacré à Denis Franchi, le jeune gardien italien du PSG. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification. Né le 22 octobre 2002, Denis Franchi est un gardien italien qui appartenait au club amateur de Prata Falchi Vizinale, situé dans le nord-est de l'Italie. Le joueur avait aussi été prêté à l'Udinese, il évolue donc maintenant avec les U19 du PSG et il est LE gardien titulaire. Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, le joueur était observé depuis plusieurs mois par la cellule de recrutement parisienne qui a décidé de passer à l'action après un tournoi disputé à Nantes. Arrivé l'été dernier au PSG, Denis Franchi est le quatrième gardien dans la hiérarchie parisienne. Sous contrat stagiaire jusqu'en 2022, le portier italien évolue avec les U19 nationaux du club de la capitale. Le titulaire des U19 restera dans la cage de l'équipe tout en s'entraînant avec le groupe professionnel. Il n'a pas encore de proposition de contrat pro, mais s'entraîne souvent avec l'équipe première. Des recruteurs de Serie A et de Serie B seraient même venus le superviser dernièrement. Le joueur est très proche de Xavi Simons, d'ailleurs, ils apprennent la langue du français ensemble. Lors de la reprise de l'entraînement du PSG le 22 juin, le joueur a été convoqué pour reprendre avec eux. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à bientôt.